Bonjour, nous sommes étudiantes pilotes et nous allons vous faire visiter le campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université. Ce campus de 10 hectares, situé au centre de Paris, accueille chaque jour 20 000 étudiants et 5 000 personnels. C'est parti, suivez-nous. Voici l'espace Vie étudiante, un lieu de partage, de détente et de créativité propice au développement de projets associatifs. Ici, vous pourrez obtenir des informations sur les 80 associations de la faculté et leurs membres. Mais vous y trouvez également la direction de la vie étudiante que vous pouvez solliciter pour les dispositifs d'aide sociale, pour les étudiants en mobilité internationale, pour les pratiques artistiques, mais également pour les projets associatifs ou individuels. Maintenant, nous allons vous présenter le service handicap santé étudiant. Voici le service Handicap Santé étudiant, le SHSE. Il accueille et informe les étudiants ayant des difficultés pour suivre leurs études pour des raisons de santé. Allons maintenant au centre sportif Jean Tabou. Voici le centre sportif Jean Talbot. Ici, vous trouverez le département des activités physiques et sportives, le DAPS, l'association sportive LAES, qui vous proposera un large choix de sports et d'activités artistiques. Maintenant, allons au restaurant universitaire. Pour vous restaurer, plusieurs points gérés par le CROUS sont à votre disposition sur le campus, comme par exemple le restaurant universitaire juste derrière nous. Maintenant, nous allons vous présenter les DAC. Voici les DAC, l'espace des arts et de la culture. Ici, vous pouvez réserver des studios vidéo et musique, ainsi que des salles de répétition. Maintenant, nous allons vous présenter la bibliothèque. Avec leurs 3000 places, les différentes bibliothèques de Sorbonne Université vous accueillent afin de poursuivre votre travail personnel dans les meilleures conditions. Derrière nous se trouve la bibliothèque des licences. Maintenant, allons au foyer. Au pied de la tour 53, vous pouvez trouver le foyer, un lieu de pause bénéficiant de micro-ondes pour votre pause déjeuner. Maintenant, nous allons vous présenter l'atrium. Nous sommes maintenant à l'atrium où vous pouvez trouver, entre autres, les différentes scolarités, qui ont des rôles multiples. De la première inscription à la remise des diplômes, chaque étudiant est ainsi régulièrement en contact avec les services de la scolarité durant son cursus. Maintenant, nous allons vous présenter le service d'orientation et insertion. Voici le service d'orientation et insertion, le SOI. Ici, vous pouvez construire votre projet de formation ainsi que votre projet professionnel. Allons maintenant à Capsule. Nous allons maintenant finir cette visite avec la présentation de Capsule, un service qui se situe au premier étage du bâtiment Atrium. Grâce à votre carte étudiante, vous pourrez avoir accès à des ordinateurs en libre service ainsi qu'à un service d'impression gratuit. Nous avons hâte de vous retrouver sur le campus. À très bientôt.